つまでも熱いこの涙の意味を忘れない、無駄にしないように今を駆け抜けろ。Salut à tous, c'est Megiddo, bienvenue donc live dans Live Old School. Alors j'avais décidé de faire cette vidéo parce que comme on est en pleine période d'entrée des classes, et j'ai essayé de me remettre donc à mes vidéos de gaming, et je me suis dit tiens, je vais me lancer dans Live Old School, puisque c'est comme c'est le thème de ce jeu, c'est les écoles, et comme ça rentrer des classes, j'ai vu que ça collait bien. Et puis c'est un jeu que je voulais faire depuis bien longtemps, surtout que cette série compte 3 épisodes, bon beaucoup ne connaissent que 2 épisodes, c'est-à-dire celui-ci et la version Dreamcast, mais sauf à savoir qu'au Japon, un deuxième jeu est sorti sur PlayStation 1, mais ça on verra peut-être un de ces quatre quand je ferai une vidéo dessus. Je sais pas si par la suite je ferai une vidéo donc sur ce deuxième épisode et sur le troisième sur Dreamcast. Donc comme vous pouvez voir déjà, j'ai commencé par lancer le disque arcade, parce qu'il faut savoir que le jeu est vendu avec deux disques. Le disque 1, c'est le disque évolution, c'est la version complète du jeu avec plein de modes. Et la version arcade qui est basée donc sur la version arcade du jeu. D'ailleurs, moi j'ai connu la bande d'arcade, puisqu'à l'époque, c'est-à-dire le jeu était sorti en 98, c'est-à-dire vers 99, j'ai joué à la bande d'arcade à la tête dans les nuages. C'était une salle d'arcade Sega qui se trouvait donc à Lille. D'ailleurs, ça, j'adore les salles d'arcade, surtout que maintenant il y en a une. On a Aikido à Lille, d'ailleurs, faudrait vraiment que je pense à le TKT et retourner, depuis qu'ils ont déménagé, j'y suis toujours pas allé. Donc c'est bon, je raconte ma life, mais faudrait peut-être que je démarre. Donc alors, on a le mode 1 joueur. Le mode versus, bon je peux pas aller dessus parce que j'ai branché qu'une seule manette. Après donc on a le mode record qui sort en fait de tout ce qui touche à sauvegarde, c'est-à-dire sauvegarde, charger une sauvegarde, sauvegarde automatique, etc. Donc laissez tomber, il n'y a pas de tableau avec tout les scores, tout ça. Donc après on a le mode entraînement. Puis on a le mode option, donc on va faire un petit retour rapide. Donc dans les options on a le choix de difficulté. De base il est sur 2, je vais le laisser sur 2. Après on a la force d'attaque où là on peut monter jusqu'à 4. Moi je tourne dans ce mode à fond. Après le timer, je vais le mettre sur stop, le timer ça sert à rien. Après comme d'habitude je règle tout les combats sur 1, comme ça va plus vite. Sinon on peut régler sur 2. Soit 1 ou 2, ouais. 1 ou 2 rondes. Pareil pour le mode versus. Puis après donc ça c'est pour si on veut changer de personnage entre chaque round. Bon moi je me laisse parce que je m'en sers pas. Vous savez, c'est parce qu'en fait on doit choisir deux personnages. Après continuer si on garde ou qu'on peut changer de personnage à chaque continu. Shortcut, c'est en fait juste avoir la liste des noms des personnages et pas leur tête. Donc ouais, c'est pour ça que plus chier, mais bon, je vois pas, mais qui c'est qui met ça à son jeu quoi quand même. Après, ben vibration, ben, c'est ce que c'est. Puis après on a des touches. Bon, on va voir. Donc comme vous pouvez voir, on a deux coups de poing, deux coups de pied. Et si on appuie, je crois, sur deux coups de poing, deux coups de pied en même temps, on peut ou je sais plus, moi j'appuie toujours sur les quatre en même temps, pour déclencher l'attaque du haut. Puis après, en dessous, on a le réglage de base, c'est-à-dire la méga attaque numéro 1, la méga attaque numéro 2. Ditch, il me semble que c'est pour esquiver, pour se décaler un peu. Et grain d'attaque, c'est en fait la chope. Donc là c'est réglé sur défaut, donc on va sortir. Puis après on a donc extra, donc dans extra donc on a des petits films, c'est-à-dire l'intro qu'on a vu tout à l'heure, plus des petits films, c'est. Il y en a une dizaine alors, il y en a une dizaine alors que c'est tout le temps les mêmes. On verra dans l'autre disque qu'on a des films plus intéressants. Après la galerie, bon. Là par contre je l'ai pas débloqué. Puis après on a des bonus à la con. C'est le scrolling qui fait montrer le nom de tous ceux qui ont développé le jeu, tout ça. Ben ici dans le extra je joue quasiment pas avec, parce que d'ailleurs beaucoup ne jouent que à la version évolution quoi. L'arcade c'est juste pour avoir le jeu d'arcade, c'est tout, on s'en fout un peu des bonus, tout ce qu'il y a dedans quoi. Donc voilà, on va y aller donc. Et donc on a le choix de, bien sûr je joue sur la version PlayStation 1, on n'a pas la version, j'ai pas la version arcade. Donc comme vous pouvez voir, on a un choix de personnage assez limité hein. Parce que quand vous verrez la version évolution, il y a une grosse différence. Donc on retrouve les personnages rangés par école, donc on a l'école Taiyo avec donc Matsu, Hinata et Kyosuke. D'ailleurs, pour ceux qui jouent au versus, Matsu on le retrouve dans Tatsunoko vs Capcom.
Et Kyosuke, on le retrouve dans Capcom versus SNK2. Donc après, on a l'école Gorin, où là c'est une école de sportifs, avec donc Shoma, le joueur de baseball, Natsu, sa petite amie joueuse de volley, et enfin Loberto, le joueur de foot, qui fait très penser à sa façon de se tenir avec la casquette et tout, ça fait un peu penser à Tom dans Olivier Tom. Après, on a l'école de riches, le Pacific High School, où là on a Roy qui se bat un peu à la façon de Terry Bogard, Tiffany la Poupoum Girl, et Bowman qui ressemble plus à un barman qu'à un élève. Et enfin, on a l'école de Rakai, l'école Gendo avec Edge, le mystérieux personnage Akira, et enfin Gan, le gros Baraké. Et puis après, on a des Porof, c'est-à-dire on a de l'école justice, on a Ideo, et l'infirmière Kyokyo, et enfin tout en haut, on a le directeur Kaizo et Yo, qui en fait, je crois que c'est un peu l'équivalent du comment on peut appeler ça, c'est. Il y a le directeur, le principal, quoi, un truc comme ça. Et donc, bien sûr, comme vous pouvez voir, il y a des petites trucs, il y a des petites flèches qui clignotent en haut et en bas, c'est pour dire qu'on a des personnages cachés. D'ailleurs, je crois qu'ils sont même pas présents, de mémoire, ils sont même pas présents dans la version arcade. Ils ont été rajoutés là. Donc, on a Akira démasqué, c'est-à-dire on a la version d'Akira, parce qu'en fait, c'est une fille. Après, on a Sakura de Street Fighter. Oui, ils sont amusés à incorporer Sakura dans sa version Street Fighter EX2. Puis après, on a Daigo, le frère aîné de Akira. Ayato, le prof de sport de l'école Taiyo. Et voilà, c'est tout. Donc, voilà tous les personnages qu'on a. Bon, moi, je vais prendre des personnages que j'aime bien. Donc, je vais prendre tiens, Akira démasqué. Et en second personnage, je vais prendre... Allez, Shoma. Et voilà, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, on choisit deux personnages. Il y a que la version Dreamcast, on pourra choisir trois personnages. Et voilà, c'est parti pour le premier combat. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque temps de chargement, on a un artwork. Et c'est en fait, c'est ça le 0 sur 50. C'est qu'en fait, il y en a 50 à collectionner. Et c'est parti. Bon, là, je joue à la version européenne, donc le jeu est un peu lent. Je me souviens que sur arcade, c'était beaucoup plus rapide. D'ailleurs, c'est ce qui me gêne un peu, ils auraient pu mettre un mode turbo, quoi, qu'on puisse choisir la vitesse du jeu. Alors, je lance un spécial, et je vais essayer de vous faire une attaque duo pour la finir. Et voilà. D'ailleurs, l'attaque duo sera toujours celle du personnage secondaire, ça sera jamais celle du personnage qu'on joue, quoi. Tu vois, sympa. Donc déjà c'est bien ça, on retrouve que graphiquement je trouve que c'est ça colle assez à l'esprit des Street Fighter EX qu'on avait sur PS1 à la même époque, mais à part que là je trouve les traits beaucoup plus fins, les personnages je les trouve beaucoup plus détaillés que dans EX 1 et 2 quoi. D'ailleurs il vous suffit d'aller voir mes vidéos, j'avais déjà fait la trilogie EX en jeu. Allez, hop. Là on a, comme vous pouvez voir, on a même des, ah merde, on peut faire des petites charges, c'est intéressant. Par contre, le truc que je trouve un peu dommage, c'est que si on met pause, on n'a pas un tableau avec les attaques tout ça. C'est ce qui manque parce que moi le livret, je sais plus où je l'ai foutu. Faut dire c'est un jeu que j'ai dû acheter deux fois parce que à l'époque, ça fait partie des jeux que j'avais. Prêté à un pote et il me l'a jamais rendu. Enfin, il m'a rendu qu'un disque sur deux que que le CD arcade. Il m'avait chouré le CD évolution. Mais bon. Allez, ah, trop loin. Et voilà, gagné. Bon, j'ai un peu baissé le son parce que je vois que voilà. En tout cas, l'ambiance musicale c'est vraiment bonne. Les décors, bon, bah, c'est que des JPEG sur un décor en 3D quoi, c'est un peu dommage, c'est-à-dire ils sont assez vides. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer les jeux de combat en 2D en 3D, parce que les décors des jeux de combat en 2D, ils sont souvent remplis de personnages, on a plein d'activités derrière, alors qu'à l'époque de la PS1, les jeux en 3D, les décors étaient assez vides. C'est assez dommage. Ah. Allez hop, une petite chope. Ah, c'est lui qui me fait spécial. Ah,
Ah bah c'est simple. D'ailleurs, il existe deux types d'attaques en duo. Les offensives, ou en fait, comme par exemple, comme celle-ci, où il va d'ailleurs me battre. Ces techniques-là, offensives, où en fait, on va battre l'adversaire. Enfin, on va faire des dégâts adversaires. Et après, il y a un deuxième type, où là, c'est des... c'est des attaques du haut de soin. D'ailleurs, je vais essayer de le faire. Donc, je vais prendre qui? Bah tiens, je vais prendre Roy et Tiffany. Comme ça, je vous montrerai une attaque duo, mais de soin. Ah, mais dis pas que ça recommence à zéro. Me dis pas que si on change de personnage... Mais ce qui est intéressant, je crois qu'en fait on a un mode histoire si on choisit une vraie équipe. Mais si on a, si on joue dans le désordre, on n'a pas un mode histoire quoi. Ouais, quand je vous dis, regardez, c'est terrible, regarde les gars. Ouais, et je vais essayer de faire le spécial. Et voilà, donc... Tiffany, elle va me redonner la vie. Bon, pour moi, c'est que j'en ai pas perdu. Mais bon, vous voyez le genre, quoi. Donc, et voilà. Mais j'aime vraiment l'ambiance du jeu, quoi. C'est un jeu où j'adorais que Capcom nous fasse un nouvel épisode. Surtout avec le style graphique qu'on a actuellement dans un jeu, ça serait que génial. Donc voilà. Donc ouais, si on fait une vraie équipe, on a un mode histoire avec des phases de dialogue. Hop, voilà, chapitre 2. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc on a des petites phases comme ça entre les niveaux si on choisit une vraie équipe. Et ça, c'est vraiment classe, quoi. Par contre, je crois que c'est pas dans la version évolution, ça. On verra tout à l'heure. Allez, allez, crève, saleté. Ah, il a essayé de lancer un spécial, c'est moi qui en ai lancé un avant lui. Ah, merde. Et regardez, donc lui aussi il récupère, donc elle par contre elle redonne des barres de pouvoir. Et voilà, elle me redonne la vie. Donc en gros un spécial ça va bouffer une barre de pouvoir, alors qu'une équipe, une attaque duo, ça fera deux barres. Et voilà, gagné. Donc je crois que je vais arrêter là, et on va faire une petite coupure, on va se retrouver donc pour la version évolution. Donc voilà, je vous quitte et à tout de suite. Salut à tous, c'est Migdo. Donc on continue cette fois avec le disque évolution. Et oui, on avait fait une petite coupure. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je me suis représenté. Et donc voilà, ça, on dispose donc du jeu évolution. Cette fois, c'est l'autre disque, c'est le disque numéro 1. Et comme vous pouvez voir, on a vraiment beaucoup plus de modes et de choses intéressantes par rapport au premier jeu. Donc on a toujours le mode un joueur, le mode versus qui est en dessous que je peux pas aller dessus parce que j'ai qu'une manette. Le mode tournament, le mode extra, on verra ça tout à l'heure. On a le mode leçon où en fait c'est juste le prof qui nous propose de faire des petites missions. Le mode groupe, on peut jouer à plusieurs en même temps, c'est-à-dire 2 contre la machine ou quasiment 4, je crois que si on a un multitap. Les options, bon, on retrouve à peu près les mêmes, c'est-à-dire toujours la difficulté, la puissance des coups, le timer, le nombre de rounds. Après toujours pareil, si on veut changer de personnage après un round, si on veut changer de personnage après un game un continu, mettre en shortcut la liste des personnages, la vibration, stéréo ou mono. Et après donc on a game system qui est nouveau, où là en fait ça permet donc de modifier certains trucs. Par exemple on a définitive folle. Défensive fold, on peut faire normal, discontinue landing, off, je sais pas trop ce que c'est. Après, la barre de pouvoir, on peut la mettre soit à 0, soit à normal, soit à 5, soit à 9, soit à... commence à 0, ah non, fixe à 0, c'est-à-dire reste à 0, et fixe et max, elle sera toujours à pleine. Bon, moi je vais laisser en plein, comme ça, on va pouvoir s'amuser un peu. Non, allez, je vais me la jouer à ego, on va la laisser en normal. Après, on a garde automatique.
pour faire des backdash ou des jump, des backjump. Voilà. Après les réglages du tout, c'est toujours les mêmes. On va sortir. Puis donc après on a d'autres modes ici, on a le mode coopération, c'est-à-dire on joue avec 4 personnages en même temps à l'écran. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Après le mode league, bon c'est comme un mode tournament. Record comme d'habitude, c'est tout ce qui touche à la carte mémoire. Puis on a 4 mini-jeux. Bon, je vais d'abord faire les deux mini-jeux de foot. On a le target mode, donc on va lancer. Bon là, il va falloir que j'essaye de battre mon record. C'est assez dur. Alors là, le jeu est simple. On joue Roberto, on est devant un but, et il faut réussir à bien viser pour gagner des points. Bon. C'est pas gagné. Et sûr, le tout, c'est de réussir à en dégommer le plus possible. Ouais. Allez, tant qu'on y est, voilà, on va faire tout arranger du bois. Allez. Oh merde. Ah, je fais vraiment n'importe quoi. Ça demandait comment j'ai fait la dernière fois pour réussir. Ah bah j'en ai eu deux d'un coup. Voilà, on va essayer là. Ah raté. Bon bah c'est raté, j'ai pas battu mon record. Ah je vais pas faire un recommencer. Oh ça c'est pour moi. On va quitter, donc là vous avez un peu le mini-jeu ici. Donc après on a un deuxième mini-jeu de foot. Alors sorti. Oula c'est on joue contre soit deux joueurs, soit contre la machine. Et en fait c'est des pénalties. C'est simplement des pénalties. Mais à part que là on peut faire des méga tirs. Donc là je vais faire montrer assez rapidement. C'est-à-dire déjà c'est nous qui commençons contre l'ordi. Et on peut faire des méga tirs. Comme ça. Ah il a arrêté le. Il a arrêté le salopard. Et le problème c'est qu'on sait jamais vers. Quand c'est à nous, on sait jamais où il va tirer. Ah le con. Donc vous voyez un peu le truc quoi. Je suis une bille à ça. Mais c'est fun quand on joue à deux. On va sortir. Donc puis après donc. On a le mode home run. Où là on joue avec Shoma et faut marquer des home run. Enfin il faut lancer la balle la plus loin. Mon record c'est 432 mètres. Enfin en c'est cumul hein. On peut pas lancer une balle directement à 4. Allez hop. Après c'est un run. D'ailleurs ce qui est assez marrant c'est qu'ici on a des petites pubs pour d'autres jeux Capcom comme Street Fighter Alpha 3, Resident Evil 2. Ah raté. Et Street Fighter 3 Second Impact. Par contre c'est le quatrième, c'est celui qui est tout à gauche. J'arrive pas à voir ce que c'est le logo. Alors si y en a qui savent, dites-le. Hein. Bah je fais n'importe quoi. D'habitude je suis qu'à de faire un run sur un run. Ah bon, je suis pas prêt de battre mon record là. Bah là c'est une sauvegarde que j'ai fait pour l'occasion. Mais avant j'avais des scores mais de malade dans ce jeu là. Ça fait un moment que j'avais pas joué, j'avais plus de sauvegarde. Bah faut dire que la plupart de mes cartes mémoire d'époque sont mortes. C'est ça qui est énervant, ça c'est les cartes mémoire souvent ont tendance à. Surtout sur la PS1, ils ont tendance à claquer pour rien. Ah, raté. Allez. Je vais faire un. Ah ben, presque. Il me reste un essai, et là, si j'arrive à battre mon record. Et voilà. À 3 points près. Donc, je vais pas essayer. Et donc, on passe donc au service mode où là en fait on joue au volet avec Natsu. Et là c'est simple, il faut juste viser les têtes. Il y en a certaines qui rapportent plus de points que d'autres. Et bien sûr, par exemple, je sais que c'est les Shoma qui rapportent le plus, si j'ai pas de bêtises.
Eh ben voilà, je m'en sors bien là. Bien sûr, faut éviter les rails. Les. Peut-être qu'il clignote. Oh non, j'ai perdu 200 points. Allez. Voilà. Et on peut faire des combos si je dis pas de bêtises. Et voilà. Ouais, si on arrive à dégommer plusieurs têtes en même temps, le score augmente en fonction des têtes des trucs. Ah! Ah, je sais pas comment on arrive à dégommer des celles aussi loin comme ça. Allez. Ouais, paf. Le dernier était foiré. Donc Retri, non. Donc voilà, on a vu à peu près les modes. Les 4 mini-jeux. Mais il en reste un cinquième qui est caché. Donc ici, on a le mode extra. Donc dedans, on a 3 films d'animation. Donc on a l'intro qu'on a vu tout à l'heure. On a la cinématique de la bonne fin où en fait les héros sont en vacances. Je peux vous montrer en entier. La mauvaise fin où en fait on a un bêtisier. C'est-à-dire si on finit. Si on a la mauvaise fin, une mauvaise fin de jeu, on a donc un bêtisier, on voit les acteurs faire n'importe quoi. Voilà, ça vous donne une idée. Apprendre à la galerie où en fait on a les 50 dessins qui servent de pour les temps de chargement. Il y en a des biens, il y en a des classes, il y en a des pas terribles. D'ailleurs vous voyez des élèves qui vous disent rien du tout. C'est normal, je vais y venir après. Donc on va sortir. Back. Allez, sort. Voilà. Bon, on a toujours le watch mode où en fait la console se bat toute seule. Le staff roll où c'est le nom en fait de tout le staff du jeu. Et on a Kyoko Office. Et Kyoko Office c'est une séance de massage. Et ce qui est marrant c'est que ça fait vibrer la manette. Enfin, moi je l'ai pas branché en. Donc on peut changer le style. Mais bon, ça fait pas grand chose. Hein. Donc voilà, c'était pour faire entrer. Mais ça marche bien avec une DualShock classique. Avec une DualShock 2 parce que je joue sur PlayStation 2. Ça marche pas des masses. Et donc voilà, ça on a fait le tour et on va retourner au mode un joueur. Et là vous allez voir que l'écran de sélection est assez différent. Déjà on se retrouve avec un écran de sélection assez basique, contrairement au précédent de la version arcade. Et là donc on retrouve donc tous les personnages qu'on avait avant, c'est-à-dire Batsu, Hinata, Kyosuke, Shoma, Natsu, Roberto, Ryo, Tiffany, Bowman, Edge, Akira, Megan, Hideo, Kyoko, Raizo, Yo, et enfin les persos cachés qui sont déjà disponibles, c'est-à-dire Hinata, Sakura, enfin Akira, Sakura, Daigo et Ayato, et vous voyez qu'il y a une rangée supplémentaire. Et là en fait c'est simplement des personnages féminins qui ont des tenues différentes comme Hinata, Natsu, Tiffany et Kyoko. Et au milieu on a Extra où en fait c'est 24 personnages supplémentaires, les élèves qu'on voit sur les images des temps de chargement, où là en fait c'est simplement des clones des personnages précédents, c'est-à-dire il y a un personnage qui aura les mêmes coups de Batsu, il y en a un autre qui aura le même coup qu'Hinata, etc. Donc voilà, en fait, c'est des personnages qui servent à rien. Et donc, pour voir, donc on va juste prendre deux personnages qui ont des costumes différents pour faire montrer un peu. Chapitre 1. D'ailleurs, on a un fond d'écran, un temps de chargement avec Tiffany. Et donc on a Tiffany en uniforme scolaire et puis en. Allez, moi je vais faire. J'essaie de faire. Voilà.
On a l'infirmière, donc d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que l'infirmière change de coup. Là, donc, elle fait une attaque et une attaque offensive, alors que la classique va plutôt faire une attaque de soins. Voilà. Allez, hop. Donc là, je vais juste faire un combat parce que j'ai pas besoin de recommencer, de faire montrer comment marche le jeu. Le jeu n'a quasiment pas changé d'un disque à l'autre, c'est juste les personnages qu'on a de supplémentaires. Donc graphiquement, c'est quasiment le même des deux côtés. Donc là, c'est donc des personnages clones. Alors, tronche, on dirait. Il y en a un qui s'appelait, comment dire, comme. Shinji dans Evangelion, quoi. Voilà, allez, je vais finir le combat là, puis après j'arrêterai. Donc voilà, c'était donc Live School. Avec le CD donc Arcade et le CD Evolution. D'ailleurs, la chose que j'avais pas dit, c'est que l'attaque duo a tendance à être... majoritaire par rapport à l'attaque, à une attaque spéciale, quoi. Enfin, c'est-à-dire... prioritaire, voilà, chercher non. Allez hop, je finis Sakura et j'arrête là. Donc voilà, je finis cette victoire. Allez, bye, à plus!